Chers internautes, je suis très contente de vous retrouver cet après-midi. Voilà, le sujet que nous allons aborder ce jour est le suivant. En tant que femme, qu'est-ce que tu aimerais que ton homme sache faire? Voilà, c'est le sujet qui est là. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification, commenter, liker, partager nos vidéos via les réseaux sociaux. Voilà, laissez les propositions de sujets en commentaire. Et sur ce... Bonjour, la grande soeur. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Très bien, merci. La question est la suivante. Qu'est-ce que tu aimerais que ton homme sache faire? Tout d'abord, le respect. Après, qu'il sache préparer. Qu'il m'aide en cuisine. Et puis, surtout, l'argent. Ah! Qu'il s'occupe bien de mon fait. Mais côté préparation, c'est pas la femme qui doit faire ça. Mais souvent, l'homme peut faire. Ouais. Ouais. Souvent, un dimanche comme ça, là, il peut m'aider à préparer. D'accord. C'est comme ça. Et puis souvent, un dimanche, je vais laver son chocoteau, tout ça, tu vois, non? Souvent. Ah, lui, il va laver ses chocoteaux. Je te laisse aujourd'hui, là, il a fait ça pour toi. Ça fait plaisir. Mais surtout, quoi, l'argent? Oui, l'argent. On sait tout nécessairement. Par vite de ça. Et j'espère que c'est le cas. Oui, c'est le cas. C'est ça, il dit vite vers ça, en fait. D'accord. Merci la grande sœur et bonne journée à vous. Merci. Bonjour maman. Oui, bonjour ma chérie. Comment tu vas? Ça va très bien. D'accord. Maman, qu'est-ce que tu aimerais que ton homme sache faire? En tout cas, moi mon homme, j'aime qu'il s'occupe de moi. C'est quel plan? Financier seulement ou bien? Bon, au fait, l'argent c'est Dieu qui donne l'argent. C'est pas ça? Je veux qu'il s'occupe de moi. Et tu es de la maison. Comme il vient de le dire là. Mon mari, lui, il ne fatigue pas là. Les samedis, quand on se réveille, comme tous les Turcs, il lave la vie de tout le monde. Hey! En tout cas, tout le monde pensait que c'est basse. Hein? C'est pas basse. Lui, là, c'est un Dieu donné. Justement. C'est pas basse. Quelqu'un qui voit, pas dire que c'est basse. C'est pas basse. C'est un Dieu donné. C'est Dieu. Tout ce qu'on fait là, c'est Dieu. Lui-même, il est né comme ça. Il dit que c'est sa grand-mère qui l'a appris. Nous, on va vivant. Les jeunes, ils ont le droit de vivre. C'est pas la femme. En tout cas, sur ce plan-là. En tout cas, il est chaud. C'est rare de voir ce genre d'homme-là. En tout cas, lui il n'a pas. Lui, il n'a pas. Vraiment, en tout cas, ma mère l'a bien éduqué. Ça, c'est clair. Donc, quand il se réveille le matin, c'est les dimanches comme ça, il lave les habits, il fait le lit. Et tu vois. Pendant tout le monde, il fait la cuisine. C'est le travail des femmes normalement. Oui, c'est le travail des femmes, mais. Et les hommes qui sont comme ça. Ils sont humbles au fait. Voilà les hommes qui sont humbles. En tout cas, moi je le dis le chapeau. Exactement. Tu m'as donné un meilleur mari en tout cas. Chapeau. Non, mais je pensais vous dire tout à l'heure que j'allais prendre votre secret hein, parce que c'est rare. Non, c'est pas secret. C'est pas secret. C'est pas c'est Dieu. Justement. D'accord. Oui, moi, c'est des enfants, garçons. On les apprend à faire ça. Même moi, mes enfants, ils les apprennent à faire ça. Voilà. Parce que si tu n'as pas appris ça, et que tu grandis là, tu ne pourras pas faire ça. Sinon, lui, il ne prépare. Même si on se graine, même, il ne prépare ça. Quand tu goûtes là, tu as l'impression que c'est une femme qui a préparé. T'as tout eu, hein? Non, c'est comme ça, Dieu bénit. Amen. D'accord, maman, merci et bonne continuation à vous, à la prochaine. Merci. Que Dieu nous garde. Amen. Bonjour, Tata. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci. D'accord, la question est la suivante. Mais je constate que vous êtes timide. Oui, c'est mon métier. Timide, c'est la caméra, mais c'est comment? C'est la caméra qui me dit. Ça va aller, ça va aller. Donc, la question est la suivante. Qu'est-ce que tu aimerais que ton homme sache faire? Je me combler financièrement. Adieu. C'est tout, hein? C'est l'argent, oui. Ah! C'est l'argent. C'est l'argent, y'a tout. Tu dis l'argent doucement, quoi. On dirait que c'est pas l'argent, tu veux. C'est live. Il faut dire ça. C'est live, ça, c'est là. Faut répéter. C'est live. Ah, voilà. Attends, tu n'as pas timide en réalité. Certaines femmes ont un don spectaculaire. Mais quand il y a l'argent, ça va. On parle juste à la d'accord. Donc, on constate, je suppose que c'est l'argent et le côté sexe, le côté cuisine, tout ça. Tout gagné, c'est l'argent.
C'est l'argent là qui reste. C'est l'argent là. Merci la tata et bonne journée à toi. Merci à toi pareil. Merci. Bonjour la tata. Bonjour chérie Gogo. Comment tu vas? Ça va très bien. D'accord, bon travail à toi. Merci. Je t'en prie. La question est la suivante. Qu'est-ce que tu aimerais que ton homme sache faire? Qu'est-ce que j'aimerais que mon homme sache faire? L'argent. Jésus! Ça me donne beaucoup d'argent. C'est tout mon problème. Une homme, yébam, abine, ébam, yobam, yobam, yobam. Le reste là, mon meilleur fait. On dit la femme est faite pour le foyer donc. Il a fait mon travail. Peut-être s'il y a au coucher, si lui met ça, c'est le gêne. Mais s'il donne l'argent, c'est pas qu'il va s'occuper de bébé. L'argent, ou rien. Ah. C'est tout. Pas de l'argent. Tu n'aimerais pas qu'il sache faire la cuisine, mais qu'il sache faire l'amour, un truc comme ça. En même temps, c'est l'amour. Amour qu'il a fait, il est dans sa maison encore. Voilà, c'est quand amour, il veut me demander encore. Point d'interrogation. Ah, ma chérie, c'est là. Quand c'est là, la tête sur la ça gonfle encore. Hey! Quand c'est là, la tête sur la ça gonfle encore. Jésus! Quand c'est là, la tête sur la ça gonfle encore. Hey! Jesus Christ of Nazareth. L'argent, rien. C'est tout mon problème. D'accord? Donc, elle aimerait que son homme lui donne de l'argent. Son homme lui comble de bijoux, en tout cas de beaucoup d'argent. Voyage pour aller faire achat pour venir vendre dans le magasin. Bijoux. Je vais faire location de bijoux. Réalisation si tu me donnes beaucoup d'argent pour réaliser. Ça c'est compliqué, hein? C'est tout. Ça va avoir beaucoup d'argent pour faire couper des galets. Hein? L'argent pour réaliser, c'est tout. Sinon le reste là. On peut même te cuire. Ah, on finit pas de mougou. Hey! Ah, on finit pas de mougou. S'il est fatigué, il monte. Toi, ça, il n'y a pas là dedans. D'accord, merci la dotti, bonne journée. De rien, bonne journée à toi, bonne chance. Bonjour. Bonjour madame. Comment tu vas? Je vais bien, je vais très bien, merci. Voilà, la question la suivante, qu'est-ce que tu aimerais que ton homme sache faire? Bon, j'aimerais d'abord que mon homme soit cuisinier. Ah bon? Et puis bon, dans le cas contraire, il sait cuisiner. Voilà. Ah, félicitations, c'est rare. Oui, vraiment, c'est... la cuisine, ça appartient à la femme, non? C'est pas forcément, il y a d'autres, ça dépend de l'environnement où tu grandis. Voilà, donc comme il a grandi avec sa maman, il sait cuisiner. Et puis bon, souvent ça m'arrange pas, voilà. Ça c'est clair. T'aides aussi quand tu viens, tu es fatiguée. Ouais, ouais, souvent il est fatigué, il cuisine pour moi. Même quand je suis malade, il cuisine pour moi. Tu as besoin de servante? Il y a besoin de servante, mais ça m'arrange aussi dans les petits coins, voilà. Ça fait chic aussi, souvent quand ton homme sort cuisiner, souvent quand tu es fatigué, tu le blagues. Ça fait partie de la galanterie. Oui, bien sûr. Mais c'est ça, on dit l'amour. Effectivement. Et mais l'autre côté là, côté agent, côté sexe. Il s'en fait aussi bien. Ok. Il s'occupe très bien de moi, très très bien. Financièrement aussi. Financièrement aussi bien. Et puis comme je travaille aussi, donc on s'entraide. Dans les deux côtés. Mais si on t'emmène dans la norme, tu aimerais que ton homme sache faire la cuisine et il sait déjà le faire. Oui, il sait déjà le faire. Et ça me fait plaisir. Je rends gloire à Dieu aussi. Ouais, parce que c'est pas évident. C'est ça. D'accord. Merci. Bonne continuation à vous. À la prochaine. Merci à vous de même aussi. Bonne journée. Bonjour la tata. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. D'accord. J'ai une question pour vous. Et la question est la suivante. Qu'est-ce que tu aimerais que ton homme sache faire? Le travail qu'il fait, il n'a qu'à bien faire encore pour pouvoir me donner beaucoup d'argent et me combler d'amour. Surtout le respect. Tu respectes beaucoup. Oui, surtout le respect. Et dans le domaine du ménage, cuisine, machin, tu n'aimerais pas qu'il... Il fait déjà. Il m'aide à faire le ménage. Ouh là 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 là. Il m'aide. Donc, ça va déjà. Mais t'es côté agent, tu aimerais qu'il puisse avoir plus, quoi. Oui, il n'a qu'à beaucoup me donner d'argent. Eh Dieu. Il semble d'argent. Oui. Pourquoi la femme aime l'argent comme ça? Ah, on fait comment? C'est l'argent. En toute chose, c'est l'argent. Quand il y a l'argent, le teint est là. Certaines femmes ont un don spectaculaire. Et puis tu es toujours joyeuse. C'est cela. D'accord, maman. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous aussi. J'avais oublié. Pouvez-vous présenter votre magasin? Ok, bon, moi je m'appelle Bénédicte. Je fais les ongles au marché des Macquarie.
On peut demander après la charmante tati. Oui, la tata Béni. Tata Béni. Oui. Donc faites passer le numéro. 56, pardonnez. 30, 2 fois 47. 05 56 30 2 fois 47. D'accord. Avec ce numéro-là, vous pouvez la contacter afin de pouvoir venir vous rendre belle dans son marasi. Donc, merci Tata et bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Le plaisir est partagé. Merci. Bonjour chérie. Comment tu vas? Je vais bien. D'accord. Merci pour le sourire. C'est gentil. C'est un très joli sourire. Merci chérie. D'accord. La question est la suivante. Qu'est-ce que tu aimerais que ton homme sache faire? Bon, moi. J'aimerais que mon homme sache faire l'amour, sache cuisiner, soit comment dirais-je, la tendresse, attentionner, tout et tout. Ça, c'est compliqué, hein. Mais surtout, tu aimerais qu'il sache faire l'amour. Sache faire l'amour, oui. Satisfait. Oui. Bon, tu n'aimerais pas avoir un homme qui ne sache pas faire ça. Non, vive les femmes courageuses, vive les femmes audacieuses, vive les femmes qui vraiment assument. Ça va, tu peux même tu aller voir ailleurs. Non, je ne vais pas voir ailleurs, mais c'est que si je vais, je vais la porn après. C'est que j'aime qu'il fasse, je vais la porn après. Tu vas la porn après, c'est que tu aimes qu'il fasse. Oui. Sinon, toi, tu aimerais que ton homme sache faire l'amour. Oui. Et sache cuisiner. Oui. Mais toi, même tes femmes, tu as cuisiné pour lui. Comment tu veux qu'il sache cuisiner? Non, moi, il va me montrer de quoi il est capable. Justement. Merci, bonne journée à toi. Merci aussi à toi. Eh bien, nous sommes au terme de notre émission. Merci d'avoir été en notre compagnie. Nous vous disons à bientôt pour un prochain numéro du micro pour toi. On a été très ravis d'être avec vous. En fait, les mots me manquent. Je suis très émue parce que j'ai interviewé la population du Mako. Je suis très heureuse. Raison pour laquelle je titube un peu. Voilà, comprenez-moi quoi. Et sur ce, à bientôt.